Vous savez, c'est une grâce de pouvoir dire ce que Jésus a pu faire dans ma vie. Vous savez, je vais vous raconter mon témoignage en quelques mots. Vous savez, je suis un jeune que j'ai été éduqué dans les choses du monde. Mes parents ne connaissent pas Dieu. Et j'ai été éduqué comme ça. Vous savez, j'ai commencé à avoir des amis comme tout jeune et vouloir faire comme mes amis faisaient. Vouloir fumer, vouloir faire des choses que c'est pas la gloire de Dieu. Mais il y a eu un temps que j'ai eu 14 ans et un copain à moi a tombé dans la cocaïne. Et il voulait que moi aussi je fasse avec lui. Mais moi, en vérité, je ne voulais pas cela. Parce que j'étais un garçon, que j'avais tout ce que je voulais. Je ne manquais de rien dans ma vie. Mais un jour, je l'ai fait avec lui. J'ai voulu goûter ce que c'était la drogue. Et j'ai fait cela pendant 2 ans. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Mais vous savez, l'important, ce n'est pas que je me droguais, parce que ça ne va pas te sauver. C'est pas parce que je me droguais ou si je faisais des choses, c'était pas la gloire de Dieu que ça va te sauver. L'important, c'est que Jésus a changé ma vie. Amen. L'important, c'est que mon cœur a été transformé. Amen. Vous savez, quand je me lève le matin, je sens Jésus. Quand je mets un cantique chez moi, je sens Jésus. Amen. L'important, c'est ça ce soir. L'important, ce n'est pas parce que je me droguais, tout ça, ça ne sert à rien, tout ça, ça ne va pas te sauver. Quand Jésus a planté la croix, alléluia, il savait qu'il avait transformé mon cœur. Amen. Il savait qu'il avait transformé ma vie. Amen. Et ce soir, pour moi, c'est un privilège de vous dire que je suis un témoin de Jésus. Amen. Jésus a transformé mon cœur. J'ai rencontré Jésus simplement dans une chambre. J'étais en train de prier avec mon pasteur Ismaël. Je ne ressentais pas Dieu. Et parfois, on veut tellement ressentir des choses. J'ai fait une simple prière à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, il y en a assez maintenant. Je veux te donner mon cœur réellement. Je n'ai rien ressenti. Des larmes ont tombé. J'ai compris que j'étais sale dans moi. J'ai demandé pardon à Jésus. Et Jésus m'a transformé. Ça fait 2 ans que je suis Jésus. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'accepter Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.